2015, on est en présence de monsieur Samuel. Samuel Villeneuve. Samuel, tu veux m'expliquer c'est quoi ton projet? Oui, mais dans le fond, mon projet, je suis reparti sur une base de mon professeur Yvon. Il avait fait sur la bio, les logiciels qui servaient à faire marcher des capteurs comme un thermomètre puis un voltmètre. Mais moi, j'ai repris cette idée-là, puis j'ai transformé pour qu'il fonctionne avec un détecteur en fait, de distance. J'ai modifié le programme. Et puis, ça, c'est ton détecteur de distance? Oui. Comment ça marche? C'est quoi le principe de capteur de distance? Bon, ça l'envoie des ultrasons. Puis les ultrasons rebondissent puis reviennent au capteur. OK. Puis le Arduino ici, il envoie ses informations à l'ordinateur ou le logiciel. Puis comme vous voyez ici, l'information arrive ici. Puis c'est fait en fait. On divise les résultats pour que ça donne le chiffre qu'on désire, l'unité de mesure qu'on désire. Okay. Que tu m'as fait marcher? Oui. Comme on voit ici, par exemple. Veut, on va mettre la main. Avec ça, à fond, j'ai essayé de reprendre le principe d'une caméra de recul de voiture qui est accompagnée souvent d'un système comme celui-là. Okay. Comme vous voyez ici en haut, l'échelle de mesure. Okay. Quand on est trop, quand on est proche, quand on est. Ok, les couleurs changent. Oui, vraiment. Et là, on prend proche. Bien rouge. OK. Il donne la distance. Oui, exactement. OK. 6 cm, 8 cm. C'est bon. OK. Tu pourrais m'en faire un, mettre après mon auto? Ça n'est pas déjà, hein? Non, je peux. C'est beau, Samuel. Merci.